m'appelle Mansi Célestin, le directeur de l'orphelinat Semer. Le centre a été créé le 1er novembre 2000 dans la zone portuaire, précisément dans le quartier d'Adapame. Mon ambition, c'est de prendre soin des orphelins de la rue. Les orphelins de la rue sont différents des orphelins qui viennent de la maison. Mon devoir, c'est de vider la rue et remplir les familles. J'avais débuté le centre avec 4 enfants. Dans ces 4 enfants, ont décidé de ne plus rentrer et ils décident de rester avec moi à la maison. Je me suis donné à 16 enfants. Et à partir de ce jour-là, on a débuté et en 2003, nous sommes sortis avec 82 enfants, dont 36 sont des couturières. Premièrement, la nourriture, parce que l'enfant doit manger avant d'attendre à l'école, avant d'apprendre aussi ses leçons à la maison. Mais pourtant, on n'arrive pas à trouver la nourriture pour ses enfants. L'enfant qui s'est donné à la rue, on les a classés sur 3 points. Premièrement, on les voit dans la rue, tout près des mosquées et tout près des marchés et tout près des stations d'essence. Pour amener ces enfants à la maison aussi, ce sont des problèmes parce qu'ils n'aiment pas qu'on les touche. Et nous avons certains albums qui nous aident à mieux convaincre ces enfants-là pour les ramener à la maison. Avec ces enfants-là, actuellement, j'ai 68 qui sont chez moi. D'autres font 13 ans, 12 ans et d'autres 14 ans. J'essaie de me battre pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants. Mais pensons vraiment, actuellement, ils sont au nombre de 32 filles et 36 garçons. Ces 68 orphelins de la rue, qui peut m'aider à subvenir à leurs besoins? Je m'en vais du marché de boutique en boutique pour voir commander. Il y a des gens qui essaient de me comprendre, d'autres non. Et voilà que nous sommes dans notre 14e année. Et de 2000 jusqu'à 2015 maintenant, on a essayé de ramener 432 enfants qui sont actuellement dans leur famille. Et il reste 68 qui sont chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là? D'autres sont devenus grands chez moi. Prenons l'exemple d'un qui est en classe de terminale. Il était en classe de CM1, on me l'a ramené. Mais aujourd'hui, il est en classe de terminale. Et s'il prête à Dieu, dans le mois de juin, il va aller à l'examen pour avoir son bac. Il y a 4 qui sont des étudiants actuellement à l'université. Et 58 encore sur le banc pour moi. L'année passée, on a fait un série 17. Était parti encore dans la rue pour prendre encore 17. Notre taux, toujours, c'est 68. Ça ne dépasse pas. Ça me tient à cœur de penser à ces enfants-là parce que je veux ceux-là qui pouvaient parrainer ou bien ceux-là qui pouvaient subvenir aux besoins de ces enfants-là pour nous parce que ma seule bouche ne peut jamais couvrir les 68.